Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode et ce nouveau live sur Book of Fours. On reprend notre aventure, toujours dans la mystérieuse bibliothèque, et on avançait bien. Il nous reste globalement les caves à terminer, et un petit peu ici en termes d'exploration. Et on était toujours bien en place pour gagner le jeu en remplissant notre histoire. On a débloqué le numen qu'il nous faut. Maintenant, il faut qu'on arrive à atteindre 25 pour pouvoir l'écrire dans notre livre et réécrire l'histoire pour qu'on n'ait pas ouvert la tombe qui a pestiféré la planète. Donc 17 c'est encore un petit peu tendu, 25 c'est encore un peu tendu, j'ai vérifié justement, on peut atteindre 17. Avec nos skills, le numen et notre meilleur aspect, on est à 17. Ce qui veut dire que il nous faudrait une encre qui fait 7, ce qui est encore beaucoup trop. 8, ce qui est encore beaucoup trop. Mais on y arrive petit à petit. Donc ça va être un de nos objectifs, je pense. En attendant, on est le matin. Est-ce qu'on avait des livres, un souvenir en train de dormir? On a un souvenir en train de dormir. Le Secret Threshold. On est silence là, non? On a de la musique normalement. Il y a de la musique, je vois sur le live, il y a de la musique, mais elle est pas hyper forte chez moi. Parce qu'elle est dans le bon périphérique. Oui, elle est dans le bon périphérique. Juste qu'elle est pas forte, ok. On n'a pas de leçon en cours. On a des livres, j'imagine qu'on doit pouvoir lire. Ouais, on a quelques-uns. Ixos, on avait appris l'Ixos? Oui, on a appris l'Ixos. On a appris l'Ixos avec notre dernier copain, là. Donc on a un film à regarder en Ixos, un livre de type rose. Est-ce qu'on a quelque chose qui parle de la Great Scare? Link of Power, ça pourrait être pas mal, ça. Préliminal Meter, ça pourrait être pas mal aussi de le booster, parce que du coup, on gagnerait en knock. Là, on parle aussi de Link of Power. Non, c'est celui que j'ai déjà regardé. Là, on parle de Sacral Aminae, c'est moins intéressant. Ici, Sand Story, c'est pas très intéressant non plus. Discipline of the Scare, pourquoi pas. Et là... Édicte inviolable. Ok, donc intéressant, mais pas non plus ouf. Ce qui est vraiment, je pense, tentant, c'est celui-là, du coup. Et il faut 12 de rose. Et salut Lonmar, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Alors, le rose, c'est celui-là. On a 3. Et en skill, on a 6. Donc, on a 9 assez facilement. Si on rajoute... un souvenir à 2 peut-être, à 2 de rose, est-ce qu'on a ça? Voilà forcément. Ah j'ai le cahier, il est tout... Ouais, non, ça c'est rose 1. Ah oui, le secret de Srichol, il est en train de réfléchir, en train de dormir, mais c'est 1. Donc on a 10 assez facilement. Tu vas bien, surtout quand tu vois du Book of Fours, là, parfait. Ah, on a Confounding Parable qui a un rose 2, donc on pourrait monter à 11. On pourrait monter facilement à 11. Et après, est-ce qu'on a des trucs de type rose qui traînent? On a un outil. On a l'outil de type rose, donc on pourrait avoir 12, donc on pourrait se faire celui-là. On va se faire celui-là aujourd'hui. Essayer d'avancer Preliminal Meter, monter le Preliminal Meter et voir si on peut pas écrire dans notre livre. À côté, on a 12 de Moss. Tout ça, c'est du rose. Et là, on a un petit Edge. Mais je crois qu'on avait dit que le phonographe, ça marchait pas parce qu'il n'est pas de type Edge. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est ça. On pouvait pas atteindre les 8 parce qu'on avait en fait pas la possibilité de mettre du Edge là-dedans. Du coup, comme autre possibilité, on aurait ouvrir des salles. 15 de knock.
Ah, t'es pas Chobiti. Alors, on va ressortir le petit carnet. On va regarder un peu. Le recteur, il a un de nos, quoi. C'est ce que je craignais. Un, c'est chaud quand même. Hein. À tes souhaits. Par contre, le Smithy, il a deux de forge. Et salut Warf, bienvenue sur le live. J'espère que ça va. Bah écoute, nous ça va, par Chobiti qui se met à éternuer là. Je ne sais pas pourquoi. Chobiti non plus, c'est pas pourquoi. Ah ben, nous l'a bien. tac tac tac, 14 de knock, non 13 de knock et 15 de forge. Est-ce qu'on peut atteindre ça? Donc déjà en forge, on a 4. Ça nous fait passer à 6, c'est un peu tendu hein. Là on a un knock à 2. Bah non, on a le knock à 5 de toute façon, donc bon, regardons déjà le forge. Forge, je pense que le meilleur souvenir qu'on a, il va être à 2 du coup. Ça va être un foresight là, ouais, 2. Donc 4, 5, 6, 7, 8. On atteint 8 avec le skill, avec l'aspect et le souvenir. Il faudrait filer une bonne boisson de type forge, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà en termes d'outils. En termes d'outils, on a du 1, on n'a pas mieux en termes d'outils que 1. Non, je dirais pas. On peut lui faire de la glu au mec. On peut lui donner un wire qui est à 2. Ce qui fait qu'on était à 4, 5, 6. On était à 8, 10. 10, le café il est pas à 2. 10, 11 avec un outil. Ouais, on est très loin de 15. Hein. Il faudrait qu'on arrive à monter de 4 avec la nourriture et la boisson. Ce qui est pas gagné. On a des amandes à 1, on a du thé ici à 1. Ça c'est pas du beurrel donc on peut pas lui donner. Ça, c'est un matériel, donc on peut pas lui donner. Il faudrait que j'arrive à améliorer les outils, en fait, un truc du style. Ça, ce serait vraiment cool de réussir à améliorer les outils. Mais je sais pas si on peut. Là, il nous faut un skill. Ouais, 15 de force, ça paraît compliqué avec le forgeron. Si on avait limite un péon, ouais, un péon, ça serait peut-être possible. Et du coup, le 13 avec le knock en partant de 1, on passe à 6 avec ça. 6, 7, 8, 9. 9, on lui file un outil, on doit bien avoir un outil type knock quelque part. On lui file une bougie. 10, 11, 12. On a 12 avec la bougie et on lui file un verre d'eau et on n'est pas si loin de 15. Hein. À part le souvenir numène de 5 et souvenir fabricable à 4, je pense pas que tu puisses encore ouvrir des portes normales. Ouais, ça devient compliqué, si tu veux dire avec des souvenirs normaux. On avait commencé à noter les souvenirs qu'on pouvait construire, on en avait un avec 4 de Sky. Est-ce qu'on en avait un avec la forge? Je crois pas. Non. Non, 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 mais on n'a pas trop regardé ce qu'on pouvait fabriquer avec la forge encore. On peut jeter un œil là. Si je fais ça, un skill de type forge. Lui. Pas un 5 à tout hasard, genre toi. Non. Tac. Les bitter block salt. Donc genre on lui mettrait du métal. On peut faire.
du wire de type oracle oricalcum à partir de wire de type métal, tiens. On peut faire de l'oricalque. Bah ouais, on peut faire de l'oricalque apparemment. Tu as noté le deuxième cadre que tu pouvais faire dans l'instrument de musique. Je crois que oui. Bon, mon carniche. Donc j'ai noté Ascendant Harmony, les derniers qu'on a fait, Sight Touch, Wistful Air, non, c'était un craft. A5 de Sky, Occult Scrap, non. On dirait pas, on dirait que je l'ai pas noté celui-là. C'est vrai que je l'ai pas noté. Je l'ai peut-être pas refait depuis que j'ai commencé à noter. Hop, on va vider le café, comme ça, pour se concentrer. C'est tentant du coup, je vais essayer de fabriquer ça, tiens. On va voir ce que ça donne. Du coup, on va générer le Confounding Parable aussi. On va lire ça avec quoi ? Bon, le fait non. Avec le Strist. Et pour faire du Earth, il nous faudrait un autre souvenir de type Earth. Et le souvenir qui est en train de dormir, il est Nock et Rose. Hein, ouais, c'est ça. J'ai bien envie de faire un souvenir de type Forge pour voir si je peux pas l'améliorer avec l'une des compétences quand même. Donc je vais générer. Un foresight. Avec quoi? Un metal de base? Non, il va me falloir pour crafter. Un whiz de base. Allez, vendu pour un whiz de base. On va refaire. Bon, j'en ai un peu d'avance de la préparation de Solomon. Il est méchant aujourd'hui. On est au summer, ça pourrait être pas mal de faire quelques plantes. Dragon Calice in summer, là. Hop, un peu de Fragrant Calice. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Des cibles spire, hein. Ouais. Ivoli, tiens. J'aime le nom de ce truc. Ah, on a Else qui est pas là, il nous manque un skill, donc on a un Else qui est en train de se fusionner quelque part. Du coup, on va pas pouvoir faire d'autres plantes. Ok. Pas de soucis. Et du coup, on va pas pouvoir faire de souvenirs de type Earth non plus. Mon jardin. Si, on a Chor qui pourra faire du Earth. Mon jardin. Donc, on va faire un petit souvenir de type Earth pour voir si on peut le. Crafter, alors du coup on va essayer de le faire à 2 tant qu'à faire pour atteindre 5 facilement. 2 de Heard, voilà, soleil, c'est parfait. Hop, un petit soleil. Je pense qu'on s'occupera des cocos un autre jour. Un petit sept comme ça, c'est parti. Ok, on va enlever la pause, lancer la journée. C'est parti, petite musique. Alors c'est Cloudy. Ouais, Cloudy c'est pas ouf. Cloudy c'est un peu de la daube. Oui, tu préfères Brumi? Ouais, Brumi, c'est bien Brumi. Ah, ça y est, on a l'orphanet chic qui a éclos. Le petit poussin, alors est-ce que je peux lui filer Est-ce que je peux lui filer un œuf? Est-ce que j'ai un œuf déjà? J'ai plus d'œuf. Ah mais je peux, j'ai pris ça pour eux. Hop. Et on va donner un truc de base, ça par exemple. Voilà, comme ça le. Le petit orphanet chic nous prendra pour sa maman. Hein? Bien, bien, bien. Pouletto. On aura un pouletto, exactement.
Qu'est-ce qu'on pourrait en faire de lui? Pouletto? Du secret threshold. Allez, bientôt pouvoir se lancer. Voilà. Something to consider. Parfait. Alors déjà, le rose. Un bureau de type rose. Est-ce qu'on a ça là? Voilà. Hop. Donc c'est fait. Ça, on est à 3. Il nous faut Confounding Parable. Et il nous faut Preliminal Matter. Et on est à 11, on a dit, il nous faut le... Ah tiens, là, il y a un souvenir à crafter, là. Potentiellement, il nous faut ça. Et là, on est à 12. C'est parti. Ensuite, on a dit qu'on voulait essayer de crafter un souvenir de type Heart. On met ça. Il nous faut un skill. Bah tiens, ça par exemple. Le Thunderskin pense était une musique. Je l'ai pas noté effectivement. Et ben c'est parti. On va le faire. On va voir ce que ça fait. Et on le mettra dans le cahier. Et on le mettra dans le cahier, exactement. Et on a dit qu'on voulait essayer de voir si avec le forge on pouvait faire quelque chose. Alors on va aller plutôt. Il est où? Ici, je crois que ça c'est le type forge. Ouais. On met ça. Alors, on a juste un bébé metal par contre. Qui est pas oufissime. On est à 8. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Du bois, du woven, des remains, un outil. On peut mettre deux outils. Ça, c'est intéressant. Alors, barrez-vous. On peut mettre du coup l'équerre et les clous. Ah tiens, intéressant, on est à 10, mais ça ne nous sert à rien. Ah non, il faut du métal. Il faut du métal dans une forge pour faire le truc à 10, ok, pas le choix. Donc ici, ça nous sert à rien. Alors est-ce qu'un autre skill de type forge ferait quelque chose? Non. Né. Donc, et là, c'est pareil. Il faut que j'aille dans une forge. Et ça me fera quelque chose d'exotique. C'est pas pareil que la description de là. Là, c'est il faut que j'ajoute du métal dans une Scholar Level Forge. Et là... Si, c'est ça. Il faut que j'ajoute du métal. Ok. Dans tous les cas, il va nous falloir du métal. Donc, on va dépenser des sous. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Tu vas faire comme si tu avais rien entendu. Très bon état d'esprit. On va vouloir du copper wire. Alors, il nous faut une encre. On va vouloir du copper wire. Et t'en prends plein pour qu'on puisse faire de l'or calcium. Bah, je veux bien en prendre plein, mais il faut des sous. Et ça devait en prendre plein. Ouais. On peut revendre notre chat. Est-ce qu'on peut revendre le chat? Pas convaincu. Non, ben non, du coup. Pas de revente, pas de sous. Hop, on va en prendre 3. Ça va déjà coûter une blinde. Hop. Voilà, 72 balles. Penny? Bah oui, 72 penny, ouais. Pence. Ça fait combien ça? Non, ça c'est pas assez, c'est que 60. Alors qu'on casse notre billet. Hop. Et on a... Ah, il a grandi du coup. Je
souvenais pas que c'était une mouette. Si, c'était un gueule, un œuf de gueule. Ah, mais je me souviens pas, moi, j'ai déjà oublié, ça fait trop longtemps. Est-ce que je peux le mettre là? Voilà, je vais le mettre avec son copain. Et l'œuf à côté, c'est... Toujours pas un œuf, c'est toujours de l'ambre. Ah, mais ça ressemble à rien à chaque fois. Eh oui, mais non. Pourquoi ils ont fait de l'ambre en forme d'œuf, hein? Bah, je sais pas, peut-être que l'ambre, ça a une forme d'œuf, j'ai pensé. Non, l'ombre, ça peut être forme de... 12 de LJC, tiens, ça c'est jouable. Les trucs à 12, on doit pouvoir les faire. Est-ce qu'on n'aurait pas éventuellement une autre leçon dans ça? On a dit c'est du rose, ça c'est trop, et ça c'est trop. Et vu que tout ce qu'on a à faire c'est en rose, on est obligé de se concentrer, c'est un peu con. On n'a qu'un seul fait en fait. Donc on a un seul skill qui sait faire du rose. Donc pas le choix, on y va tranquille, hein, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui s'est terminé? La commande est partie. Voilà, on récupère un one put note. Du coup, je pense qu'on va aller travailler un peu. Argent, mon argent, il est tout parti. Mon argent. Ne regarde pas comme ça, le chat. C'est pas moi qui te regarde, c'est le chat. Bah, c'est ce que j'ai dit. Zut. Voilà, ça. On va aller faire une petite balade sur la plage pour la peine. On trouvera des sous. On trouvera un chat. Peut-être qu'on trouvera un chat. On pourra revendre. Alors, ici, on a récupéré un petit fragrant cali. Et ici, du coup, on a fabriqué de l'auricalcum. Et du coup, c'était le truc à 10. Donc, par contre, c'est 4 de forge. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on peut transformer facilement notre cuivre en un truc en 4 de forge. Sans mettre de fuel en plus. On le souhaite. Du coup, si je mets une memory, j'ai 10. Là, je peux faire de l'oricalcum, et si je mets ça à la place... Je fais de l'oricalcum aussi. Dans tous les cas, on fait de l'oricalcum. Bah go, on va le faire. Hein. Ça va nous permettre d'atteindre plus facilement les 15 avec notre ami le forgeron. Et là, avec notre petite plante, je pense qu'on va se faire de la préparation d'avance. De Solomon. Hop là, aujourd'hui on craft. Et dans les trucs qu'on avait débloqués en bas, dévotion, remembrance, oui c'était vraiment de l'altar. Et le sarcophage, on pouvait mettre. Un omen, un autre élément of the soul, ou alors du pigment. Mais bon, c'était Moss et Winter, ça reste limité quand même. Ok, bon. Tout ça travaille. Il va être midi, peut-être pouvoir commencer à préparer la suite, enfin de quoi améliorer la leçon. Ah non, il faut encore une pause. Il est niveau combien lui? 6, donc il va falloir 6 souvenirs de type Nock pour l'améliorer, de type Rose ou Nock. Est-ce qu'on peut quand même faire un truc de type knock plus fort? Tac, tac, tac. Wow. Si je te mets ça, je te mets ça. Et un skill de type knock. Alors on a, bah lui. On peut faire Curious Hunch comme souvenir. Alors, je pense que par rapport au Numen, ça va être tout naze. Et on va peut-être mettre lui à la place. Oui, mais ça va peut-être
Mais ça va m'en donner une autre possibilité, donc on va le faire. Nouveau. Nouveau souvenir, s'il est à 4 de Nock par exemple, ça va être intéressant. Et on va aussi relire le journal. Avec toi, parce que l'autre il va pouvoir aller travailler, voilà. Alors, on récupère 6 pence et on envoie Faust travailler. Pence est en a utilisé 72. Et là, on a récupéré Thunderskin Pion. T'es conscient qu'il faudra 12 jours pour récupérer la thune? À 6 pence à chaque fois, hein? Bah, si je fais 6 pence par jour, oui, mais je peux faire plus de 6 pence par jour. Alors, Thunderskin Pion, ça me dit rien, effectivement, je crois pas qu'on l'ait noté. Je vais quand même vérifier. J'avais pas vu, mais. Ça me dit rien. Ça me dit rien, non. Ça te dit rien, bah, si ça te dit rien, toi non plus. Alors, mon crayon est parti où? C'est pas moi Il est mon tout là-bas. crayon. Il est tout là-bas. Je suis pas responsable des crayons. Bonjour Falsaï! Salut Falsag, bienvenue sur le live. Est-ce que j'ai avancé en off? Non, non, pas du tout. On a repris là où on en était. Enfin, si, je crois que j'ai lancé une fusion de Hearth, c'est tout. J'ai passé un peu de temps à chercher comment je pouvais fusionner des aspects et j'ai lancé une fusion de Hearth. C'est tout ce que j'ai fait en off. Et elle est même pas terminée du coup, j'ai juste lancé. Et là, on a vu notre petite mouette, elle a éclos. Thunderskin. Petite mouette. Payan, c'est ça. Hein. Payan. Ok, Payan. Je sais pas comment ça se prononce. Payne. Ouais, Payne, peut-être. Alors, c'est de type Grail. Earth 4, très force 1 et un scale tout con. Et c'est un Evolve par préservation, ce qui est plutôt cool. Préservation. Bah oui, je sais, le chat, je me penche beaucoup en avant pour écrire, t'es pas content. Tu as pas compris que Chobiti, qu'est-ce qui a éclos? On avait mis un petit œuf de mouette à travailler dans le feu, là, et du coup il a éclos, on l'a nourri, et il est devenu une mouette apprivoisée. C'est ça qui a éclos. Préservation, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? On va tout de suite regarder. Préservation, c'est là. Alors, du coup, on a ce skill-là qui est déjà en train de travailler, celui-là qui a déjà fait le taf, et celui-là qui a déjà travaillé. Je crois que le préservation, on s'en est quasiment tout servi, sauf peut-être celui-là. J'avais noté sur mon truc là. Ushribosk. Birdsong. Il est en train de travailler ici. Non, il a été attuned. Ok, donc on n'a rien à faire avec de la préservation. Donc tant pis pour le moment. Ça fait juste un 4 de Hertz. Bon, c'est pas mal, hein, 4 de Hertz. Il est quelle heure? Est-ce qu'on peut s'en servir vite fait? Est-ce qu'on a un truc en Hertz quelque part? Il est 11h10. Là non, là non. Là non. Là que dalle. Là que dalle. On n'a plus rien en Hertz. On n'a plus rien en Hertz. Alors on peut peut-être s'en servir pour l'améliorer encore. Il faudrait monter à 15 après et avoir l'ingrédient spécial. Il est même pas persistant. Non, les songs sont pas persistants malheureusement. Je pense qu'on doit pouvoir faire des choses spéciales avec, puisqu'ils ont ce statut sound, mais ils sont pas persistants. Là, on peut mettre du sound ici. Peut nous permettre de booster vraiment un instrument du coup, parce que ça veut dire qu'on peut mettre une memory de type Earth, une autre memory de type Earth et un sound de type Earth si on veut. On peut essayer, hein. Il faudrait qu'on génère vite fait un autre souvenir de type Earth, deux souvenirs de type Earth dans l'idéal. Ah, c'est tendu, il y a encore midi. Combien de temps ici? Ah, on vient de le mettre là. Merde, 60 secondes, c'est long.
Est-ce qu'on peut mettre un skill à se reposer avec un verre d'eau? On n'a plus d'eau. On va mettre Chor à se reposer. Hop, 1 minute 30. À peu près à la moitié de la journée. Donc je sais pas où il est, mais on doit avoir un Hearth, des Hearths qui travaillent quelque part. Je sais plus où je les ai foutus. Donc à un moment, on va avoir un Hearth en pleine forme, voire potentiellement doublé, qui va popper, je pense. Ah, il est là. C'était là. Ah oui, c'était là que je les avais mis à travailler. Non, c'est Faust qui était à travailler, tiens. Bah, ils sont où, mes Hearths? Ah, il y a le super bruit de la bête. Du coup, on va avoir des Faust améliorés et des Hearths améliorés qui sont je sais pas où. C'est pas grave. Hop là. Alors ici, on a trouvé quoi? Un vase de rushes. Ok. L'ornement. A subtle ornament. Fort bien. Alors le vase est classe, hein, cela dit. Les usheuses là, si je me gourre pas, ces espèces d'herbes à chat là qui sont toutes pelucheuses au bout. Mais le vase est classe. On peut pas dire le contraire. On va poser ici, je peux. Non. J'ai pas la place. Zut. Il veut pas. Le bord là, non. Où est-ce qu'on va te poser? Sur l'hôtel? Là. Ah oui, il est énorme. La vache. Effectivement. Ça prend un peu de place. J'avoue. Alors, voilà. On a plein de trucs terminés. Ah, il était là, le health. Ok. Il était dans l'espèce de cocon, là. Donc on a un S++ qui fait quand même que 3 de health, hein. C'est quand même pas énorme. Ensuite on a un Faust plus ici, très bien. Et enfin on a masterisé ce livre. Alors le livre c'était Les mesures radicales. Oula. C'est un manifeste pour la poésie expérimentale avec des propriétés occultes. Ok, très bien. Je le sens bien, là. Alors, les heures ont peu de temps pour la poésie. Mais ils ont un temps infini pour les poètes. Ok. Très bien. Alors, alors que la rose s'ouvre, donc la rose au sens de l'heure, j'imagine, les souvenirs s'ouvrent à l'horizon. C'est une manière de dire quelque chose qui ne peut pas autrement être dite et qui est plus. Enfin. Qui ferait mieux d'être écrite avec les yeux bien fermés. Oh putain! Ok. Ok, ok, ok. Donc c'est une méthode pour élaborer de la gervinite. In the crunchy sword mode. Alors, le crunchy cord, là, je l'ai pas. Crunchy cord, je ne sais pas. Je sais pas si on peut l'ouvrir, le cocon Falsag. Du coup, ça donne du pattern. Alors, pattern, on le connaît, celui-là. Ah, mais j'ai pas noté, du coup. J'ai pas noté, là. J'ai noté Thunderskin Pan, mais j'ai pas noté Craft. C'était Earth 10... plus instrument plus songs de strings pattern. Donc, le super livre The Radical Measure. Radical Measure. Glossed.
Et donc ça va nous donner deux préliminaires metteurs, ok. Très bien. Alors pattern, je pense qu'il doit être plein notre truc de pattern, c'est un de ceux-là, ouais c'est celui-là. Donc il est plein. Alors toi, est-ce qu'on t'a lu? Donc on peut te mettre là. Alors on a récupéré plein d'aspects, donc on a dit qu'on allait essayer de booster le Thunderskin Pond, donc on a un Else à 3, ça c'est cool. Il nous faut un autre souvenir de type Earth. Le Solace, on va régénérer un Solace. Est-ce qu'on en a déjà un souvenir? On a que celui-là. On va régénérer un Solace avec un Faust. Ouais, très bien. Et dans l'idéal, j'aimerais bien en avoir un autre, parce que du coup, on va pouvoir, dans l'instrument, on va pouvoir mettre ça là, ça ici, ça là. Là, on est déjà à 12. On va pouvoir mettre une mémoire de type Soleil, c'est une autre mémoire de type Earth. Donc il nous faudrait 2, c'est bien, mais sinon, au pire, on a un ici. Alors, je suis pas sûr qu'on ait autre chose... A plus. Merde, non, pardon, j'enlève la pause, j'ai mis ce clic. Si, on a Storm là. Storm, on peut le faire, Storm. Et du coup, on le ferait avec un Shaft. On garde le Else de côté. Bon, on est en train de reposer le Shore pour pas grand chose, c'est pas grave, on ira chercher de l'eau avec par exemple. Et donc, du coup, toi, le Preliminal Matters, il va te falloir, on a dit, 6 souvenirs. 6 souvenirs de type Nock. On en a un là. Nock ou quoi? Nock ou rose. On a déjà 2 là. On a le Secret Threshold, donc ça fait 3. 3. Pattern, j'ai déjà compté. 4, 5, 5, 5, 5, 6. 6, on est bon. Et 7. Ok, on va pouvoir faire les deux niveaux. Ça, c'est parfait. On va pouvoir faire assez aisément les deux niveaux. C'est juste une question de générer les souvenirs. Donc demain, on va générer un max de souvenirs. Le plus chiant à générer... Bon, on verra ce qu'on garde pour la nuit. On verra où on en est. Ici, du coup, on a généré... Ah bah, on a celui-là, en plus. L'occulte Scrap qui nous en fera un sixième facile. Ok, parfait. Alors, ici, on a généré une petite préparation de Solomon d'avance. On va la garder ici, on peut... Ouais, voilà. Et ici, on a fabriqué un peu d'oricalcum d'avance. Voilà. C'est un peu tout ce bordel. C'est parti. Maintenant, on attend nos souvenirs et on essaye de voir si on peut atteindre un 15 avec une musique, voir si ça nous permet de faire quelque chose de spécial. Et le cocon, je sais pas si on peut l'ouvrir un jour, mais je pense pas parce que c'est un... On peut mettre un truc sur son dorsal et son ventral, quoi. Something might emerge if it could only be assured of hospitable history. Ça veut dire quoi? Que si on refait notre histoire, on pourra lui faire une histoire qui... Bah, peut-être. Il y a peut-être une histoire à écrire où il est clos. Alors là, on récupère 6 pence pour le budget de Chobiti. Et ici, on a fabriqué Furious Hunch. Oh, oh, il est fort. Oh, il est hyper fort. Et en plus, il est persistant, celui-là. C'est un omen. Ah oui. Excellent. Du coup, on a notre Earth bonus, là. Ah bon, on va le noter. Carrément, on va le noter. Alors, par contre, celui-là, il faut que je m'installe un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire. Voilà. Alors, il s'appelle... Alors déjà, on va mettre la petite étoile parce que c'est un omen. Curious
Unch. Alors, c'est du Earth 3. Nock 4. Lanterne aussi, ça c'est cool parce que de lanterne on en manque. Lanterne 3 et Moss 3. Et ça c'est Orochimastri, non, non, Nyctodromie. Nyctodromie. Et c'est un Nomen. Moss aussi, on n'en a pas des masses, ouais. On n'en a pas des masses, on n'a pas beaucoup de compétences du coup. Comment crafter? Ah oui, crafter. Craft. Donc c'était 10 de Nock. Plus. Gretzing. Gretzing. Et c'était tout, hein, dans un truc à. Ah non, qu'il n'y avait rien de spécial. Dans un workbench de base, de type de base. Il me semble qu'en Nyctodromie, j'avais peut-être des choses à faire. Peut-être pas. Non, je les ai tous fait, ceux-là. Ouah, non, toi tu pouvais faire Chapt. Ouais, on a deux chapt plus, on pourrait peut-être faire un chapt plus plus. C'est scale et nectar, et le souvenir il est de type plein de trucs. Et chapt c'est un truc à la con. C'est forge et noc, ouais, c'est pas dit. Il faut qu'on trouve un endroit qui soit à la fois de type scale, nectar et forge ou noc. Ah, scale et forge, il y a moyen quand même. Forge et Nock ici, pourquoi pas. Peut-être ici. Ok. De toute façon, ça sera pas avant demain et celui-là est persistant, donc on n'est pas pressé. On enlève la pause. On n'enlève pas la pause. On peut éventuellement tester tout de suite du coup. Alors on met ça. On met toi. L'inspiration. Ah non, il nous en faut un autre. Alors, on va mettre Burden Song. Ah, on peut direct aller au 15 là. Mais je vais le faire avec les souvenirs de base, je vais garder celui-là quand même. Il est persistant, donc on a moins besoin de s'embêter. On a 12 secondes à attendre, ça va le faire. Et du coup, ça veut dire qu'effectivement, on peut aller chercher le truc à 15 facilement. Hop, c'est bon, on a les deux. Tac. Et tac. Alors, voyons voir. On met ça, on met ça. On met notre petite application. On met un storm et l'autre, s'il te plaît. On est à 16. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous propose? Avec Thunderskin Pian, on crée le Swaddle Thunder. Si. Eh ben ouais, allons-y, ouais. 2 minutes, ah c'est long. Va durer le reste de la journée plus la nuit quoi. Plus une bonne partie de demain sans doute. C'est pas grave. Faut que ça travaille. Alors ici, ça c'est persistant, ça c'est persistant, ça c'est persistant, ça c'est persistant. Ça c'est pas persistant. Et ça pourrait peut-être nous faire gagner un peu de temps si on le met là. Alors là du coup on va récupérer notre fort. En pleine forme, mais qui nous sert plus, donc on va aller chercher de l'eau avec. Hop, c'est parti. Toujours pratique d'avoir un petit peu d'eau d'avance. Bah, on n'a plus qu'à attendre la nuit. On est bon là. Hein. Et demain, on booste notre préliminaire metteur. Parti.
Hop, c'est la nuit, on va mettre... Ah toi, je peux pas te mettre à dormir. Ben, on va pas te mettre à dormir, du coup. Tempi. Ah, t'as foiré ta maille. J'ai coupé par accident le bleu. Ah, zut. Effectivement, c'est embêté. Ok, là on serre. Et on resserre. Voilà, et on a deux petits verres d'eau d'avance qu'on va caler par là. Voilà, parfait. Et on attend le lendemain et on lance plein de souvenirs. C'est parti. Il nous faut 6 souvenirs, c'est ça. On en a déjà d'avance 1, 2, 3, 3, pas mal. On a déjà 3, donc il nous en faut 3 autres. C'est parti. Un petit secret threshold pour commencer. On va commencer avec les plus pourris, s'il vous plaît. Voilà. Curious Hunch. Ouais, je pensais l'utiliser pour faire la fusion, t'as raison, des chaptes. On va essayer de voir si ça marche. Alors, je crois que je peux pas le faire dans n'importe quoi. Il me faut un endroit où... Un endroit de type Evolve, sinon ça marche pas. Ah, ici, c'est déjà un Evolve via Nocta Dreaming. Donc, si ça marchait, je l'aurais déjà fait. On a dit qu'il nous faut... Scale et Nectar, et c'était pour le Chaptela, Forge et Nock. Ah oui, bah de toute façon ça marchait pas, non, c'est... Il nous faut Scale et Nectar, et Scale ou Nectar, et Forge ou Nock. C'est ça, donc là ça marchait pas. Ici. Non, ici. Non, ça fait deux fois ça. Là non plus. Là non plus. Ça, c'est pas un truc qui évolue. Là, on a du nectar et du noc ici, mais c'est pas un truc à faire évoluer, donc c'est pas sûr que ça fonctionne. Ouais, c'est ça, je peux mettre qu'un seul skill, donc non, ça marche pas. La chaise de Barbie, non. Ça, non. Ça, non. Ici, Forge et Scale et Nectar, non. Les bureaux, c'est non. Là, Scale, et il nous faut un Forge et Nog, donc non plus. Là, il n'y a rien. Là, ici, il n'y a que dalle, ça c'est non. Et ça c'est oui, mais non. Alors toi, toi, la cuisine, on peut rien faire évoluer dedans. Le phonographe, non plus. Le labo, non plus. Les lits, non. Ça c'est quoi? Juste une chaise longue, ok. Ici, on a le truc de préservation. Il y a du scale, mais il n'y a pas de forge ni de knock. Ça, c'est juste un lit. La galerie des miroirs. Non. L'orgue. Non. L'altar ici. Non. Cet altar-là. Non. La table d'autopsie... Elle est scale et knock, mais on peut pas mettre de... C'est pas un truc d'évolution, ça, elle a pas de symbole d'évolution du tout, du coup ça veut dire qu'en général on peut pas mettre deux skills. Ouais, je peux mettre qu'un seul skill. Qu'un seul soul, pardon. Du coup je pourrais pas faire évoluer avec, malheureusement. On peut le souvenir nous permet d'écraser le Evolve By, mais seulement sur des trucs qui ont quand même le Evolve By. Donc tout ça, on a fait le tour ici, y a rien.
Du coup, on va pouvoir passer à la tour. Le Noctar Dreamy, il y a du nectar, mais il n'y a pas ce qu'on veut. Ici non plus. Ça, c'est non. Ça, c'est quoi? C'est rien. Ça. Il y a un restore ici. On peut peut-être mettre deux skills ici. Qu'est-ce que je peux mettre pour restaurer ici? Ah, c'est pour restaurer les animaux. D'accord, ok. Je vais mettre les animaux dans la cage. Fort bien. Ici non plus. Ici, je peux torturer un peu. Edge, non. Ça, non plus. Alors lui, tu vois, c'est pareil. Techniquement, il serait bien, mais c'est fait pour travailler, donc on peut pas. Là, il y a un bureau. Très intéressant. Le truc d'exercice. Il y a du knock. Et c'est tout. Il n'y a rien. Là, ça, c'est du lit. Le fameux truc comme ça. Il y a du scale et du nectar. Mais on est d'accord que le shaft est forgé knock. Donc, ça n'ira pas. Le truc de torture là, il y a du forge et c'est tout. Ok, ça semble mal barré. On descend au sous-sol du coup. Ça c'est juste le pompe. Ça aussi. Ici, du winter et du moss et du scale et tout. Non bah voilà. Donc là on a le souvenir, mais il nous sert à rien malheureusement, semble-t-il. On a fait le tour de tout. Ah, est-ce qu'il y a un autre truc en Octadreamy? J'ai pas regardé, mais je crois que les deux autres on les a fait déjà. Le Wings. Non, le Wings c'est pour du fait, on en a pas. Et le truc là, on l'a déjà à Tune. Donc non, pour le moment, il nous sert pas. Pour le moment, il ne nous sert pas. Donc on va dire qu'on peut l'utiliser. On pourra toujours le régénérer si on veut. Donc on est reparti. Ici on générait un. Truc qui était là, donc un knock. Et on veut knock et rose. Knock et rose. Là, on a le pattern qu'on va refaire. On l'a perdu. Donc un metal de niveau 1. Donc on en a 3 plus 2, 5. Et on peut faire un confounding parable et on sera bon pour la première fournée. C'est quoi ici? Un whist. Allez, c'est parti. Ok, là on est bon pour la première fournée. Est-ce qu'on se fait un petit livre pendant ce temps-là? Genre un petit deal de rose pas trop compliqué qui va nous parler de sand stories qu'on connaît pas, je crois. On a 6 stories, snow stories. Stone Stories, Sky Stories. Et c'est tout. Donc on pourra en apprendre plus sur le sable, hein, après tout, pourquoi pas. Du coup, il nous faut 10. Devrait se faire assez facilement. On a fait qu'il y a 3. Plus un souvenir à 2. Ah, ça fait que 5, hein. Comment on a fait 12? Ah oui, on a le skill. On a le skill, bien sûr, on a le skill. Avec le skill, ça va largement le faire. Oui, bah alors attention parce que lui, il faut qu'on l'améliore. Donc on va prendre tout, mais pas lui du coup. Est-ce qu'on a un autre skill de type rose? On a ça. Qui est à 5. Ok, parfait. On sera pile à 5. Donc on va faire un petit souvenir à rose 2. Et on est en train d'en faire un, je crois. Là, celui-là. Celui-là, c'est un co-founding parable à 2. Donc on va en faire un autre. Bah tiens, Stolen Secret, c'est parti. On va générer Stolen Secret aussi. Tuck avec Inthrist. Voilà, comme ça on va pouvoir lire le livre et travailler sur notre leçon. Ça consommera pas trop d'aspects, comme ça on va pouvoir régénérer un max d'aspects après. Et on a du grêle et du nectar. Ok, très bien. Et là on a quoi? Ah, ça y est, on a le. Ah, c'est pas un souvenir. Swaddle Thunder. C'est un
Pétard explosif. Un outil qui donne 6 de R. Attends, donc on galérait avec les outils pour. Enfin, on a galéré avec les outils de type Hurt et la femme. La sage-femme là. Et maintenant qu'on n'en a plus besoin, il nous trouve un truc pareil, quoi. Ok. Et bah, fort bien. Ça veut dire qu'avec toutes les musiques, on peut potentiellement faire des choses de ce style, du coup. J'imagine. Ouais, jetable, ouais. Device une fois. Mais en plus, il peut exploser, mais il a pas l'air d'être de type infernal. Donc, je pense que c'est pas trop problématique. Tu fais quoi, mon... Hermès, qu'est-ce que tu fais? On dirait qu'il joue dans tes papiers à patron, hein, vu le bruit. On a une grosse bougie ici qui donne du Nock. Okay. Bon, Nock, du coup, on est pas mal hein, avec les souvenirs qu'on a. Enfin non, cela dit, on avait déjà celui-là à 5, donc même le 4 ici, il n'est pas forcément game changer, on va dire. Tout cas, c'est classe. Ah, et c'est de type fabrique en fibre. Fiber. Allez, 4 secondes et on se remet au travail. Voilà, c'est parti. Tac. 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 Et tac. Alors, est-ce qu'on s'est pas foiré? 1, 2, 3. 4, 5, 6, plus 1. Ok, on est bon. Donc, on va lire notre livre. On va commencer par ça. Hop. Il nous faut fête. Il nous faut un skill. Alors, toi, tu serais pas de type rose? Non. Un skill de type rose. On est à 8. Et donc, on met un petit memory à 2. Ah oui, il nous faut le langage aussi. Ixos. Voilà. C'est parti. Et ensuite, on va travailler sur notre ami le Preliminal Letter. Alors, il nous faut un effort de type. Bah, du coup, on a plus de rose, donc on met du knock. Il nous faut une leçon et il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 souvenirs. C'est parti. Et on va pouvoir commencer à en régénérer d'autres. Alors déjà, on va en avoir besoin, donc on va aller. Alors enfin, je vais vérifier, mais il faut qu'on génère 7 souvenirs du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, on a suffisamment. On n'est même pas obligé de payer pour se reposer, Chobiti, tu te rends compte? Incroyable. Mais du coup, ça on peut pas, on est en train de travailler dessus. Ça fait bien du rose, hein, ouais. Il nous faut Inescapable Confinement. C'est parti. On va le lire avec un chore. Non merde, la langue. Ah, la langue! Bon, tant pis. Dans 5 secondes et on relance. Ici. Nectar 2, Scale 2. Non, on en a déjà de toute façon. Ok, on va régénérer le secret threshold. Ici, ça travaille déjà. C'est parti. Normalement, là, il n'y avait rien. On est d'accord. On va régénérer un pattern. Quincerist. C'est parti. Ouais, couvre. Et on retourne ici, on va générer un confounding parable avec un fausse, pourquoi pas. Cool, on économise. Bon état d'esprit, Falseg. On fera de toi une chobitie un jour. Un stolen secret, bien sûr. Un stolen secret avec un chore. Alors, un autre bureau. Là, ça travaille. Il nous faut le bureau du haut, là.
Le bureau de Nathan. Lanterne Winter, Grail Sky, voilà. Intuition. Alors là, on peut le lire. Alors avec un chap, ça va pas ça. C'est ton rêve. Bien sûr, c'est le rêve de toute personne normalement constituée. Nous sommes d'accord. Du coup, j'en ai fait combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous en manque 1. Il nous en manque 1. Et il nous en manque un, ce sera le newspaper. Ok, ce sera le newspaper. Je me disais, mince, s'il m'en manque un, je vais quand même pas devoir en régénérer un autre, mais non, c'est bon. Ce sera le newspaper, donc on peut enlever la pause. On attend les 5 secondes où je me suis foiré. Là. On perd ça. On rouvre ça, on renvoie. Chore, on renvoie. Et le langage, c'est lequel déjà? Eric Appian. Où est-ce que t'es? Eric Appian, t'es là. Voilà, c'est parti. 60 secondes. 30 secondes pour lire le newspaper. Et il est même pas encore midi. Hein. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. On aura même le temps de régénérer les persistantes si on veut. Il est 11h43. C'est parti. Oui, il est 11h43. C'est l'heure d'arrêter l'épisode. Alors, je me tâtais de terminer ça, mais on a réussi à monter préliminaire en metteur au moins d'un niveau. Donc, on va arrêter l'épisode de VOD là. On est à 8 de knock là. Ça commence à compter. J'espère du coup que cet épisode vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, je bois un petit coup d'eau. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde !